Ma femme travaille pour moi depuis toujours. Son travail est réel. Je m'en expliquerai devant la justice. Les explications de François Fillon ce jeudi soir. L'affaire, vous le savez, est désormais une affaire judiciaire. On le rappelle, le parquet financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. Pénélope Fillon est soupçonnée d'avoir été indûment rémunérée pour un travail d'attaché parlementaire. 500 000 euros perçus sur 8 années. Argent public, exercice du pouvoir. Faut-il changer les règles? On va en parler avec nos invités. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bonsoir. Présidente de la fondation IFRAP, la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous êtes l'auteur de ce que doit faire le prochain président que l'on voit à l'écran. Frédéric Latour, à votre gauche, fondateur du club Vaugirard, qui rassemble les collaborateurs parlementaires, justement, mais ceux du Sénat, de la droite et du centre. Vous-même attaché parlementaire, vous nous raconterez la réalité de cette fonction. À ma droite, Marion Lourd, journaliste, co-auteur du livre qui fait beaucoup de bruit hein, depuis 24 heures, Dans l'enfer de Bercy. C'est le livre polémique sur les dépenses d'Emmanuel Macron à Bercy, entre autres. Et puis Philippe Vigier, à votre droite, porte-parole de François Fillon, chef de file des députés UDI à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Forcément, bonsoir. Vous avez porté le premier les accusations contre Emmanuel Macron cette semaine avec Christian Jacob. On va en reparler. Alors, y a-t-il une affaire Macron, une affaire Fillon, pardon, Emmanuel Macron, on en parlera plus tard. François Fillon s'est expliqué, je vous le disais ce soir, le travail de son épouse était bien réel. Elle avait un rôle de conseil. Il y a des bulletins de salaire, des déclarations d'impôts, tout cela est parfaitement transparent. C'est ce qu'il a dit, écoutez, François Fillon sur le plateau de TF1. Elle a corrigé mes discours. Elle a reçu d'innombrables personnes qui voulaient me voir et que je ne pouvais pas voir. Elle m'a représenté dans des manifestations, dans des associations. Elle me faisait la synthèse de la presse. Et surtout, elle me faisait, parce que tout le monde vous dira dans la Sarthe que Pénélope Fillon est simple, à l'écoute des gens et disponible. Elle me faisait remonter les demandes des gens. Elle me faisait remonter les évolutions de notre société. Elle l'a fait bénévolement pendant des années. En 1997, j'ai un collaborateur parlementaire qui est parti. Je l'ai remplacé par Pénélope. Et elle est restée ma collaboratrice, avec une interruption lorsque j'étais à Matignon, jusqu'en 2013, où j'ai choisi de cesser cette collaboration. Son travail est réel. Je m'en expliquerai évidemment avec la justice. Vous l'avez trouvé convaincant, Agnès Verdier-Molinier? Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de parlementaires qui travaillent avec leur épouse, avec leur fils, avec leur neveu, avec leur gendre. La pratique est très répandue, on va y revenir. Si on ne veut pas qu'il y ait du travail en famille au Parlement, auprès des parlementaires, que ce soit des députés ou des sénateurs, il faut changer les règles. Mais ce qui est clair, c'est que c'est très difficile de savoir ce qui relève quand on est l'époux ou l'épouse d'un parlementaire, d'un travail d'assistant ou pas d'assistant. Enfin, là, ça, en l'occurrence, s'il y a des soupçons d'emploi fictif, ce n'est pas la même chose. Donc, la question, c'est vraiment, est-ce qu'on veut continuer avec la possibilité de faire travailler sa famille ou pas? Je pense que c'est ça qu'il faut poser comme question. C'est une question finalement qui a été déjà abordée, hein, puisqu'il y a eu des tas de statistiques hein, qui ont été publiées. Hein, 20% des députés qui emploient quelqu'un de leur famille. Et encore, c'est ceux dont on peut identifier, parce qu'ils ont des noms identiques, parce qu'il y a une filiation qui est directe, etc. Après, il y en a énormément qui, en fait, aussi emploient celui du député voisin ou celui du sénateur voisin, alors, etc., etc. On va y revenir. Je crois que... Dans ses explications ce soir, dans ce qu'il justifie finalement du travail qu'a fait ou pas son épouse. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est une pratique qui est extrêmement répandue. Et que si on veut changer les règles, il va falloir changer beaucoup de règles à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et vraiment, il y a du travail à faire. Ça en particulier, oui, et nous on l'avait déjà demandé plusieurs fois à la Fondation IFRAP, et notamment dans une étude de 2012. Mais quand vous savez, quand il y a eu la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, on a été auditionné à la Fondation IFRAP et on a redit ce genre de choses. Les indemnités représentatives de frais de mandat, la réserve parlementaire, les modalités de calcul des retraites des parlementaires. Donc, si vous voulez, je crois que si on veut rentrer dans tout ce qu'il faut changer dans la vie parlementaire, il y a effectivement beaucoup de travail. C'est ce que je propose dans nos études de la Fondation et dans mon livre. Frédéric Latour, convaincant ou pas? Bon, d'abord, on est en campagne électorale. Je pense que ça aura surpris personne. Non, cette histoire arrive à un moment donné où on est en campagne électorale. Simplement, sur les collaborateurs parlementaires, il y a environ 100 députés qui ont aujourd'hui soit leur épouse, soit leur fils, un ascendant familial en tout cas. Et au Sénat, on est à
à peu près 8%. Donc ce sont des emplois qui existent, mais moi je voudrais pas qu'on jette le crédit sur les collaborateurs. Ce sont des gens qui travaillent, qui gagnent en moyenne à peu près 2 500 euros, qui font leur travail. Je ne les connais pas tous en tant que président du club Vaugirard et des collaborateurs. Vous voyez, ça fait 8 ans que je suis au Sénat, je ne connais pas tous les collaborateurs. C'est vrai qu'on peut faire ce travail de chez soi, on peut représenter son parlementaire, écrire ses discours, répondre au téléphone, gérer son agenda. Ça, c'est la première chose. Après, sur les emplois de collaborateurs parlementaires, je parle pour le Sénat, en tout cas, on a ce qu'on appelle un trombinoscope, où on a tous les collaborateurs qui sont répertoriés, ce qui évite qu'il puisse y avoir des problèmes. Alors justement, est-ce que Pénélope Fillon est sur ce trombinoscope ? Alors, elle travaille pas, elle travaillait pas à l'époque au Sénat. Moi, je vous parle du Sénat. Ah oui. Donc au Sénat, on a un trombinoscope. Il n'y a pas la même chose à l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai que je trouve que Gérard Larcher a mis beaucoup de transparence. Peut-être que Claude Barthol le fera dans les semaines qui viennent, mais c'est vrai qu'au Sénat, on a à la fois les collaborateurs qui sont répertoriés. On ne peut pas payer ses collaborateurs plus d'un tiers du crédit collaborateur. Il y a aussi une inégalité. Le crédit collaborateur à l'Assemblée nationale, il est à 9 500 euros. 9 561. Et au Sénat, il est à 7 500 euros. Alors, on fait quand même le même travail, vous voyez. Il faudra peut-être aussi arriver sur un alignement. Moi, j'avais interrogé tous les candidats à la primaire sur le métier de collaborateur, en leur demandant des améliorations. Peut-être qu'on arrivera à avoir ces améliorations. Marion Lourd. Moi, je remarque juste, effectivement, en voyant le bruit que font ces affaires, qu'on est à la fois, effectivement, en campagne, mais aussi qu'il y a eu une rupture, je pense, depuis l'affaire Cahuzac, depuis 2013, depuis la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, depuis la création du parquet national financier. J'ai l'impression que les choses sont moins acceptables et que des choses qui pourraient être légales, comme employer un de ses conjoints, effectivement, pour François Fillon, la question porte sur était-ce un emploi fictif ou pas, mais deviennent des choses qui peuvent choquer. Et c'est aussi ce qu'on dit sur Emmanuel Macron dans notre livre, dans l'enfer de Bercy. Philippe Vigier. Plusieurs choses. D'abord, la première, je l'ai trouvé serein. Je l'ai trouvé déterminé, je l'ai trouvé convaincant. On voit que c'est un homme blessé parce que c'est arrivé de façon extrêmement violente. C'est une campagne présidentielle. Et on sait pratiquement qu'à chaque campagne présidentielle, il y a des coups bas qui sont portés. Il a rappelé des choses importantes. Il est élu depuis 1980, 35 ans. Elle a été rémunérée sur 8 années. Déjà, si on ramène son travail, parce qu'elle l'a épaulé depuis le premier jour. Alors, on peut épauler en étant à l'Assemblée, en étant président au Sénat, mais on peut épauler de façon discrète, dans les circonscriptions, la représentation, la vie associative, recevoir tel ou tel. Donc je crois que là-dessus, d'abord, il n'y a pas eu de fraude ou de l'argent qui a été volé à tel ou tel. Ce sont des contrats légaux. Après, le contenu du travail, seul Pénélope Fillon pourra l'expliquer. Et en plus, il y a quelque chose d'extraordinaire pour rebondir sur ce que vous venez de dire avec l'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenoud, un ministre qui oubliait de payer ses impôts, hein, beaucoup plus grave. Ou Cahuzac qui répond à un député qui l'interroge, je vous le dis des yeux dans les yeux, non, je n'ai pas de compte à l'étranger. Donc là, il faut quand même comparer les choses. Mais ce qui est très important, c'est que hier, il y a une ouverture d'une enquête. Cet après-midi, François Fillon fait porter par son avocat déjà un certain nombre de pièces. Et dès ce soir, il était au 20. Et ces pièces ? Et dès ce soir. C'est quoi ? Ce sont des notes, des documents écrits, des agendas qu'elle aurait tenus ? Je n'ai pas vu le contenu de ces documents de cet après-midi. Et dès ce soir, il est au 20h devant les Français. Et il a une phrase en plus très importante. Peut-être la plus importante de l'interview. Parce qu'on voit bien qu'il a parlé avec ses tripes. Si jamais j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat à la présidence de la République. Ça veut dire une chose, c'est que ce qu'il a pu expliquer ce soir est pour moi convaincant, parce que son épouse l'a épaulé depuis longtemps. Alors, c'est vrai que les règles ont été rappelées sur les collaborateurs parlementaires, mais il faut aussi expliquer qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, la Haute Autorité de transparence de la vie politique. Moi, je suis député. À la fin du mois de décembre, j'ai dû transmettre tout le patrimoine. Vous voyez, 4 ans et demi après l'élection. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'autres représentants qui font cela dans d'autres professions? Ça n'existe nulle part ailleurs. Les grands dirigeants de certaines entreprises, on ne voit rien. De grands dirigeants de la sphère publique, on ne voit rien. On l'a fait et c'est très bien. Et vous pouvez aller en préfecture, consulter. Et on voit qu'on ne s'est pas enrichi et c'est ça qui est essentiel. Il faut restaurer le lien de confiance entre les politiques et les citoyens. Il y a des règles qu'il faut faire évoluer, vous avez raison, je dis très, très librement avec vous, s'il faut que les ascendants et descendants ne soient plus collaborateurs, mais attendez, vous pouvez très bien avoir une compagne ou un compagnon avec lequel il n'y a pas de lien officiel. Vous savez qu'il y a des députés dont la compagne est également députée, mais ils ne sont pas mariés, rien ne se voit. Mais pardonnez-moi Philippe Vigier, mais dans le cas de Pénélope Fillon, elle a toujours dit publiquement qu'elle n'était pas impliquée dans la vie politique de son mari. Alors pourquoi vous a pas est-ce échappé, que maintenant on nous explique qu'elle avait un emploi rémunéré mais il vous a pas et échappé, qu'elle était le conseil de son mari dans sa carrière? Il ne vous a pas
pas échappé qu'il y a des gens qui sont particulièrement discrets dans l'entourage d'hommes ou de femmes politiques de premier plan. Oui, moi j'en connais. Ça n'a rien de répréhensible d'être. Non, mais je veux dire qu'il y en a qui sont extrêmement discrets dans l'expression publique de ce qu'ils font, qui sont un peu les petites mains. Quand François Fillon disait tout à l'heure, voilà, il me faisait remonter des informations de la circonscription et des territoires dont je suis élu. Vous savez, ce travail est un travail essentiel, parce que lorsqu'on est à Paris, lorsqu'on est dans les fonctions qu'il a occupées, je rappelle qu'il a été ministre très longtemps, on s'éloigne un peu du terrain et il est pas mal d'avoir un retour terrain permanent. Alors on le disait, 20% environ des députés travailleraient effectivement en famille. François Fillon l'a d'ailleurs rappelé dans son intervention ce soir. Écoutez. Il n'y a pas le moindre doute. Mon épouse a travaillé comme collaboratrice parlementaire pour moi pendant des années. Les parlementaires ont une enveloppe. Cette enveloppe, elle est fixe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, ils font ce qu'ils veulent. Ils choisissent les collaborateurs qu'ils souhaitent et ils fixent les missions qu'ils souhaitent. Et c'est fondamental parce que c'est la liberté du Parlement. Cette fameuse enveloppe parlementaire, Frédéric Latour, concrètement, quel est le montant et à quoi sert-elle, à quoi est-elle destinée et qui contrôle l'utilisation qui en est faite? Alors, la dotation de crédit collaborateur, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, elle s'élève à 9000 euros à l'Assemblée nationale. Elle s'élève à 7500 euros au Sénat. Dans cette enveloppe parlementaire, vous pouvez rémunérer autant de collaborateurs que vous le voulez, je crois, jusqu'à 5 maximum, exactement. Ce qui veut dire que pour un membre de l'entourage de la famille, vous ne pouvez pas au Sénat le payer plus d'un tiers de cette enveloppe. À l'Assemblée, vous ne pouvez pas plus de la moitié. Le payer plus de la moitié. La moitié de 9000 euros à l'Assemblée, ça fait 4500. Et Léloque Fillon était rémunéré 7000 euros par mois. Alors après, il y a peut-être des compléments. Si vous voulez, non, pardonnez-moi, c'est lorsque François Fillon n'était plus député et que ce sont suppléants qui étaient devenus députés, ce qui n'est pas pareil. Donc, ce qui est vrai, c'est que sur cette enveloppe parlementaire, le député ou le sénateur rémunère ses collaborateurs comme il le souhaite, sauf ce qu'on vient de vous dire, il ne peut pas payer un collaborateur plus de la moitié. Et alors, il y a des collaborateurs qui gagnent, je le sais au Sénat, il y a des collaborateurs qui gagnent assez peu, en fait. Il y en a qui gagnent beaucoup. Donc, cette enveloppe, finalement, elle permet aux parlementaires de rémunérer comme ils le souhaitent, en fonction des compétences, en fonction du travail, en fonction de la formation. Madame Fillon, elle avait fait une formation de droit. Il y a des collaborateurs qui ont un travail administratif, répondre au téléphone. Il y en a d'autres qui font des amendements, qui rédigent des discours. Donc voilà, les collaborateurs parlementaires, moi j'en connais beaucoup, ils ont un statut qui leur permet de travailler, d'être rémunérés en fonction de ce qu'ils font. Marion Lourd, est-ce que finalement c'est pas l'opacité qui entoure, en tout cas, l'utilisation de cette enveloppe parlementaire qui pose problème dans cette affaire? Effectivement, l'opacité. Et puis alors moi, en tant que journaliste du service économie et sociale à France Inter, je m'étonne quand même de l'absence d'égalité en fait, de traitement entre les collaborateurs. C'est quoi, quand est-ce qu'on prend en compte l'ancienneté? Je vais vous répondre si vous voulez précisément, puisque vous posez une vraie question. Moi, j'ai plusieurs collaborateurs, j'en ai 5. J'ai une secrétaire. Est-ce qu'il y a une grille de salaire? Mais bien, il n'y a pas de grille de salaire parfaitement établie, mais vous pouvez les interroger, ils sont plutôt pas trop mal payés, parce que je tiens bien à les rémunérer. Et en plus, attendez, je termine. C'est votre bonne volonté qui fait ça. Est-ce que l'ancienneté est prise en charge? Oui, parce que la feuille de paye est faite par qui? Par le Sénat ou par l'Assemblée nationale? C'est pas nous qui faisons la feuille de paye. C'est pas nous qui validons le contrat de travail, c'est nous qui le remplissons. Et c'est ensuite le Sénat ou l'Assemblée qui gère l'ensemble des contrats. Et je voudrais juste dire un mot, parce qu'il y a le président de l'Association des collaborateurs, ils font un travail assez extraordinaire de fourmis, c'est difficile, et dire que leur statut est précaire. Quand un député est viré, quand il perd aux élections, qu'est-ce qui se passe pour eux? Vous croyez qu'ils ont X années de chômage derrière? C'est très difficile. Justement, on est en train de travailler. Et cette année, on a beaucoup travaillé à l'Assemblée, avec les présidents de groupe, un certain nombre de collègues, pour faire en sorte que les collaborateurs des groupes parlementaires et les collaborateurs parlementaires puissent, lorsque une session se termine, eh bien qu'on puisse assurer pour eux une formation ou une nouvelle voie professionnelle. Car souvent, la coupure, vous perdez les élections, le lendemain, il ne se passe plus rien. Agnès Verdier-Molinier. Oui, sur ces questions des enveloppes, en fait, des députés, parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Il y a l'indemnité de base, hein, qui est à 5500 et quelques. Ça, c'est la rémunération qui est fiscalisée. L'indemnité de résidence. Sur laquelle on paye des impôts, il faut le dire. Sur lesquels les impôts sont payés, absolument. Évidemment, les 7142 euros. Et puis, il y a l'indemnité représentative de frais de mandat à 5800 euros par mois à peu près. Cette indemnité-là, il n'y a pas de justificatif de frais. Donc dans beaucoup de pays, maintenant, il y a des demandes de justificatif de frais. Ce qu'il faudrait faire dans les prochaines années, c'est accepter de fusionner ces deux enveloppes pour que les parlementaires soient mieux rémunérés aussi.
assumer qu'ils soient mieux rémunérés. Parce qu'aujourd'hui, finalement, en disant qu'ils sont à 7 000 euros par mois, bah, finalement, ce n'est pas énorme par rapport à... Mais changer les règles, qui les change les règles et qui les vote ? On peut les changer, on peut les changer. Il suffit de les voter au Parlement, tout simplement. Et là, dire, ben voilà, être payé 12 000 ou 13 000 euros par mois... Est-ce que vous pensez que les parlementaires vont voter des règles qui vont à l'encontre de leurs intérêts ? Quand on est un parlementaire, c'est cohérent. Et devoir justifier de ses frais de mandat, c'est cohérent aussi. Philippe, alors, deux choses. Ce qu'on appelle l'indemnité représentative de frais de mandat. C'est une enveloppe qu'on nous donne chaque mois, sur laquelle on signe un engagement. C'est de respecter les critères qui ont été mis en place pendant cette mandature. Mais vous savez, je vous réponds très simplement, est-ce que vous avez vu les critères ? Moi, je vais vous dire comment ça se passe pour mon enveloppe. J'ai des frais d'essence, j'ai une permanence que je loue, j'ai un débordement d'enveloppe. Pourquoi ? Parce que j'ai des collaborateurs qui... coûte plus cher que l'enveloppe qui m'est attribuée, donc je prends une partie de la rémunération là-dessus. Je viens par exemple de sortir un journal de député, j'en sors un par an, qui est payé de ma poche et qui n'est pas financé, bien sûr, par de la publicité. Il y a tout ce que nous faisons au quotidien sur le terrain. Mais on peut penser à faire évoluer quand même. Mais moi, je suis prêt à la faire évoluer. Vous venez de dire d'ailleurs quelque chose d'important. C'est vrai que si on regarde la rémunération des parlementaires français par rapport aux autres pays qui nous entourent, mais dire à des Français moyens qu'on est déjà mal payé, il faut aussi raison garder. Si je peux conclure sur ce sujet. Je pense que si les députés et les sénateurs étaient officiellement mieux rémunérés, avec un impôt inhérent, parce que sur l'indemnité représentative de frais de mandat, vous êtes très scrupuleux, d'autres le sont moins. Non, mes collègues, tout cela est contrôlé. Non, vous savez, vous faites une déclaration sur l'honneur. Continuons pas trop de mettre le doute partout. Franchement, on est épluché de A à Z. Je ne sais pas si vous, à l'IFRA, vous faites une déclaration à l'Haute Autorité de Transparence de la vie politique. Par exemple, sur une note de frais dans n'importe quelle entreprise, quand vous avez des frais, vous devez justifier, vous devez dire... Mais vous croyez qu'on fait quoi ? Pourquoi vous avez déjeuné à tel endroit ? Mais moi, je note avec qui je déjeune, c'est quand je pense sur mon enveloppe parlementaire. Ce qui est important, à mon avis, pour faire le lien avec la question des collaborateurs, c'est d'avoir des parlementaires rémunérés au niveau nécessaire pour qu'il n'y ait pas cette tentation aussi d'employer des personnes de sa famille. Parce que je ne crois pas que ce soit... sur le long terme, quelque chose de souhaitable. Et je pense que ça, il faut le faire évoluer. Et faire évoluer ça, ça veut dire aussi, à un moment... C'est une règle qui est en vigueur au Parlement européen depuis 2009. Vous voyez... Le problème s'est posé ailleurs et a été résolu beaucoup plus vite qu'ici. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Maintenant, je pense qu'effectivement, les Français ont évolué aussi sur ces questions, sont peut-être plus regardants sur la question des conflits d'intérêts, etc. Absolument. Et qu'il va falloir, dans le prochain mandat, 2017-2022, comme à l'occasion de l'affaire Cahuzac, il y a besoin de je suis tout à fait d'accord avec vous. Plus on ira vers la transparence, mieux ce sera pour qu'on arrête de jeter des discrédits sur les politiques. C'est intéressant, finalement, cette histoire, parce que ça amène à se pencher sur la vraie question, qui est le statut des collaborateurs parlementaires. Les collaborateurs parlementaires, ce sont soit des hommes de l'ombre, soit des personnes qui travaillent de parlementaire en parlementaire. Lorsque le parlementaire est battu, il se retrouve sur le carreau, il y a des plans de licenciement. Donc allons vers un vrai statut des collaborateurs. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens au Sénat qui touchent 2000 euros. Il y en a qui touchent plus, il y en a qui sont élus, il y en a qui sont à mi-temps, il y en a qui travaillent avec plusieurs parlementaires. Donc allons vers un statut des collaborateurs. Certains demandent une convention collective, pourquoi pas ? Marion Lourd, le mot de la fin. Je trouve qu'il faudrait avoir une vraie réflexion et collective sur l'idée de la transparence, jusqu'où on va, où on s'arrête, où on pose les barrières. Parce que nous, ce qu'on montre aussi dans notre livre, c'est que les règles de déontologie telles qu'elles existent aujourd'hui, elles bloquent aussi des fonctionnements à Bercy. C'est-à-dire que c'est bien, c'est très bien d'avoir des règles de déontologie, on est pour, mais elles empêchent, par exemple, au sein de l'APE, l'agence qui s'occupe des participations de l'État, certaines personnes qui sont spécialisées sur un domaine, de travailler dans ce domaine, exemple l'énergie. La personne spécialisée ne pourra pas travailler dans l'énergie parce qu'elle ne pourra pas retrouver après un travail dans l'énergie. Donc il faut se poser ensemble les questions de où on pose les barrières et les règles. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous tout de suite à nouveau.